Bonjour, je suis Eric Buist. Alors, pendant que ma 5000 travaille pour me faire de la dust, je vais pouvoir faire autre chose. Je vais commencer à m'attaquer un peu à réparer du power. Bon, là, j'ai mon pickaxe qui se répare pas. Ma hache, plutôt, qui se répare toujours pas. Il faudrait faire quelque chose pour ça. Ce que je pourrais faire, là, ce serait la première chose. Il faudrait que je récupère des jungle saplings. Il faudrait que j'ai de la terre. Il faudrait mettre ça ici. Ça se couple pas avec la baguette, non, malheureusement, non. Il faut placer tout ça en main. Et tout simplement, ce que je vais faire, je vais la veine mêlée. On va faire plein de terre comme ça. Ah, faut mettre de la terre là-dedans? Comment ça? Je peux mettre de la terre dans un cible. Essayons. C'était de la terre avec juste le string mesh. Pas avec l'air. C'est parce que c'est le string et les gens doivent donner le jungle sapling. Un jungle seed. Pas un jungle sapling. On peut pas avoir les saplings avec ça. Ah, j'ai mis un jungle seed et ça m'en prend 4. Ça m'en prend 4. Il faut que je shift tout ça. Bon, j'ai récupéré mes 4 stones. Mes 4 jungle machin, j'ai les plantes. Quand les plantes deviennent des jungle saplings. Puis là, le fait d'avoir ramassé ça me donne des lianes. Parce que j'ai fait un groupe de 4 feuilles, un groupe de 4 arbres. Là, les lianes, il faut les récupérer avec un shear. Chercher ça avec ce shear-là, ici, non pas lui. Ça, c'est mon shaver. Shear. On va prendre ça, on va venir arracher des bouts, on va venir couper les lianes avec ça, donc on faisait du vein mining. Voilà. Ça me donne plein de lianes. Puis là, si je prends une cobblestone plus une liane, ma stone. Ça prend vraiment une table de crafting. Faut que je combine ces ma stone là. Je mets ça ensemble. J'ai des lianes, je n'en avais pas avant. C'est ça, je prends mes 9. J'ai même vers 9. C'est une ball of moss. Puis là, dans ma ball of moss, je vais venir la mettre sur ma hache. Ça devrait rajouter quelque chose. Ça devrait me faire un mending modifier. Elle l'a pas fait. Ok. Et apparemment, c'est encore encore que je crée un bookshelf. Regarde, qu'est-ce que je vais faire avec la hache là? Tiens, voilà. Je t'invite à t'arrêter de me faire. On va prendre de quoi de plus simple. Prends ma steel, au moins elle ne brise pas. Elle m'a donné. C'est plate là. C'est sûr que t'es à plusieurs pour pouvoir la refaire, puis refaire, puis refaire la manipulation. Ça peut toujours passer. Mais sinon, c'est vraiment dol, là. Je fais rien que ramasser du fer pour réparer l'outil. Il n'y a rien qui avance. Ah, c'est ça, cette arbre-là. Ah, il y a plein d'affaires qui restent accrochées après. Ça peut casser. Bon, tant pis. On l'a rayé. Non, je ne pas. Ah! Et c'est ça, c'est trop gros, ça prend trop de temps à casser. On se met encore! Peut-être que je mange par contre, ouais, ça serait peut-être mieux, ouais. Oui, oh, yeah, ok. Il était temps que je mange. J'avais eu des problèmes et tout. Tabarouette, hein? Ça m'a mis du stock, cet arbre-là.
Ouais. J'ai récupéré. Bon, pas tant que ça. Mais moi, j'ai des saplings. Ça, j'en ai maintenant. J'ai un gros sapling. Il y a deux sortes. Ah, j'ai des sprues de tout à l'heure aussi. Ok. Je vais commencer par. Je vais commencer à regarder, il faudrait faire un peu de power là. Je prends un 8 morceaux de ça. De vivre. Moi, je vais commencer à créer des morceaux. Ok, là, il faut faire quelque chose. Donc, moi, j'ai récupéré quelques restants. J'ai récupéré du charbon. J'ai mon. J'ai lui là-bas qui est en train de faire du mana. Et là, au moins, ça m'intéresse. Je prends l'Engineer Hammer. Je sais pas s'il va l'user quand je vais faire ça. Faut que je prenne des morceaux de cuivre. Que je fasse des plaques avec ça. Ah oui, ça utilise de la durabilité. Là, j'ai 8 plaques de cuivre. Ok. Là, je serais supposé pouvoir les combiner avec un shear. Il va vraiment sauter mon shear. Ah, ça me fait des fils de cuivre. Voilà, c'est très bien comme ça. Je remets ça où ça va. Je reviens là-dessus. Je vais prendre deux bâtons. Je l'ai. 8 affaires de même. Des genres de bobines de fil. C'est que c'est ça. Hein. Il faut mettre ça autour d'un morceau de fer. Pas deux, un. Arrête de doubler. Un seul. Bon. Ok. Iron. 8 patentes autour. Ça fait. Ça, c'est les LV Wire Coil. C'est des bobines, finalement. Là, j'ai une bobine de cuivre. Prends deux restants. Pas quatre, deux. Comme ça. J'aurais dû faire, j'en ai une cinquantaine de morceaux. Donc, je peux commencer à penser de pouvoir faire quelque chose. Je l'ai, Kinetic Dynamo. C'est déjà un début. Là, maintenant, je veux la water wheel. Water wheel. Faut en faire trois là-dessus. Mais ça va me prendre des petits morceaux d'acier. Ce qui est pas très cool à les chercher. Puis, ouais. Puis là, c'est ça. Ça prend quatre segments. Les segments, ce sont faciles à faire. C'est des morceaux de bois traité. Du bois traité, j'en avais fait fabriquer l'autre fois. Le problème, c'est d'aller chercher trois morceaux d'acier. Alors, ça, c'est dans la sag mill qu'il va falloir pulvériser notre charbon. Elle, ça va si bien, là. Ça continue toujours à faire de la dust. Ah, j'ai deux autres piles. Ah, c'est excellent, ça. Ok, ça roule quand même pas pire. Ah, ouais. On va commencer à récupérer du charbon. La poudre en fait de charbon, parce que le charbon je l'ai déjà. Cold powder, je le prends. Je vais le mettre dans la fournaise. Je vérifie que c'est en mode. Alors, il y en a des. 3 plus ça. Ok, là, elle va commencer à travailler mon fer. Fer d'acier. Elle a fini, je récupère le. Ah, ça m'a fait plus que je pensais. Je pensais que ça en faisait juste un par morceau. Ah oui, ça nous a pris pas mal déjà. Ah, j'en ai là. Steel. Ah oui. Ah. C'est ça. Ah, c'est encore du quartz d'actuel à déchets, je vais le récupérer. Ah, il reste un petit peu de charbon. Bon. Je sais pas comment se faire, mais tant pis, c'est pas grave. Ça, c'est pas perdu. On met ça là-dedans, puis on va l'utiliser quand on a besoin. Bon, j'ai mon acier. C'est ce qui est important. J'ai les sont là. J'ai même récupéré un petit peu d'autre quartz que j'avais pas besoin pour l'instant, mais il est là.
Je vais ranger l'acier, le morpholachier et le quartz. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, mais ça va venir. Là, il faut que je retrouve mon bois travaillé dessus, mon bois traité. Voilà. Là, il faut que je fasse des water wheel segment. Pour faire des water wheel segment, il va falloir que j'en fasse 2, 3, 4, 12, 12 fois cette affaire-là. Ça va me prendre au moins 36 blocs de bois traité, plus les bâtons. 2, 3, 4, 31, 36, ouais, 36 choses comme ça. Le reste, je peux presque tout le transformer en bâton sans hésiter. Puis là, je devrais pouvoir fabriquer mes segments. Et j'ai réussi, j'ai mis 12 segments. Tabarouette. Je vais shift left click pour que ça fasse ça. Ah, j'ai les 3 water wheel. Hein? Waouh! C'est bon ça. On va l'installer quelque part. Ok. Oh, ok, je l'ai placé la roue là. Oui, les gars, ok, okay c'est ça. Elle prend deux blocs, ok, elle prend plusieurs blocs de diamètre. Ok, c'est ça, c'est comme ça qu'elle se trouve à se placer la roue. Mon Dieu Seigneur, c'est gros en chien ça. Ouais, c'est ça, ça rentre, ça va essayer pas là, là, mais. Faut faire une structure pour la mettre dedans. Ouais, c'est ça. Ben, je t'arrête de faire la structure, j'ai réussi à la placer. C'est super gros. Puis c'est un méchant foutoir. Là, ce que j'ai bien compris, il faut que je mette de l'eau là-dedans. Il faut la faire tourner, ces deux coups-là. Là, il faut que l'eau aille dans le bon sens. Je vais mettre un brick well ici pour pouvoir travailler la chose. Peut-être si je vais même mettre l'eau là. On aura les chances de faire tourner le bas de la roue. Ouais. J'imagine que oui, à moins qu'elle soit trop. Ah oui, la roue elle tourne, cool! Je vais mettre deux autres blocs. En fait, je vais juste mettre un bloc. Après ça, je vais en mettre un dernier. Voilà, donc là, la roue elle tourne. Elle tourne de ce côté-là. Là, on va en mettre en haut. Sinon, là, faut que je ferme avec des vitres, là. Ça, c'est sûr. Là. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, là, je vais me refaire de la vitre. Parce que là, j'ai tout gaspillé ma vitre à faire plein de simagrées. Ah, j'ai réussi! J'ai rempli mon affaire. Donc, là, il faut que j'aille me chercher des baguettes d'eau. Ça va faire très mal. Ouais. Toi, c'est un peu comme dans la Grand Sky. J'étais bloqué. J'avais pas le. Encore avec ça au jetpack, là. Il en a besoin. Elle l'est pas. Là, faut que je me fasse des échafauds avec de la cobblestone, là. Tabarnak. Là, j'ai décidé de mettre une affaire ici pour que la. Aïe aïe, ok, ça va être vraiment cinglé. Là. Là, ça va venir faire tourner ça ici. Ok, ça va couler dans la roue. Ah oui, ça va juste faire ça. Je pensais que ça ferait une. Non, je pensais que ça coule de l'autre bord. Elle tourne de l'autre bord. Non, ça marche pas ça. Ah, t'as pu, elle tourne à l'envers. C'est vraiment inefficace. Il y a une seule façon de la faire, mais je peux pas la trouver. Ah, ça, peut-être que ça marche. Ok. J'ai réussi à la faire tourner. Là. Il faut que je regrimpe à chaque maudite fois là-dedans. Oui, monsieur. J'ai mis le brick well là que ça. Dans le fond, il faut y mettre de l'eau. Je vais placer la boquette que j'ai, celle-là ici. Le brick well, c'est ça. Je l'installe ici pour essayer d'améliorer ça un peu encore. Ça, je peux mettre de l'eau ici, peut-être.
Alors, OK, là, elle va tourner. Ah oui, elle tourne. Ah, je suis à peu près sûr qu'elle n'est pas optimale. Ça, je te garantis qu'elle n'est pas optimale. Mais au moins, elle va donner du power. Ça, j'imagine que oui. Là, pour terminer ce build-là, il faut que je mette des slabs là-dessus parce que ça, il va spawner des bobbits. C'est garanti. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ici, on va faire fermer. Ah, ok, je vais commencer à lever pour descendre ça. Ah, voilà. La roue, elle tourne. C'est déjà pas pire. Ça. Là, faut que je mette un toit, là. On aura deviné que je ne suis pas au bout de mes peines. Là, l'affaire, c'est que là, je produis du power. Et au fait que je puisse le stocker, puis le transférer. J'ai regardé avec le capacitor bank de l'Orio, j'y ai pas accès, c'est trop. Ça prend trop de redstone. Donc, pour l'instant, on va s'associer avec la batterie d'Immersive Engineering, qui est un petit peu plus simple. Mais pas tant que ça plus simple. Juste ranger, j'ai eu un monstre qui m'a attaqué tantôt. Quand j'ai eu le temps de faire mon toit, il fallait bien s'en attendre. Là, j'ai juste voulu avoir une place pour mettre l'inférieur. Twink, voilà. Puis normalement, je devrais pouvoir y aller. Mais LV capacitor, encore. Ah, il manque un plomb. Un petit plomb dans le centre. Le plomb, j'en ai maintenant. J'en avais depuis un bout. Et s'il ne sert pas, il va servir à quelque chose. Je l'ai! Je le prends, je l'amène là-bas. Bon, on va installer ça proche de notre dynamo. Ça, un coin ici. Ok, il me dit qu'est-ce qu'il peut stocker. Ah oui, ça stocke pas des RF, ça. Pire. Ok. On va accumuler, moi, tout ça. Je pense que ça peut se convertir en RF. J'espère que oui. Non, sinon, j'ai l'air con. Hein. Ça ne rien. Là, faut que je retrouve l'Engineering Hammer, faut que je me coupe un peu de cuivre. Voilà, c'est joli. Là, je vais me prendre les connecteurs, je vais prendre les connecteurs de bas voltage, je vais me contenter un peu. Il faut que j'en fasse minimum 2. Plus, c'est mieux, mais pour l'instant, 2, c'est assez. Aïe, 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 c'est pas gentil. 3 cuivres, 4 Ardent Clay. Oh gosh! 3 cuivres puis 4 Iron Clay. Ça veut dire que là, faut que je ressorte du cuivre. Et même, faut que je fasse cuire l'argile pour faire ça. C'est capoté, hein? Et ça serait peut-être plus. Ça serait peut-être une bonne chose. Ça, celle-là, en a beaucoup. Hein? Ah oui, ça dedans. Je vais lire ça. Ça, pendant ce temps-là, l'autre, le. Mon petit monstre là-bas, il va-tu bien? Il n'y a plus de power, ça c'est déjà, mais ça c'est dommage. Mais quand même, ici j'ai. Oh, j'ai 5 piles. 5 piles de poussière de dust. Là, je peux tout travailler ça éventuellement et me faire plein de ressources au moins. Ça c'est merveilleux. Puis pendant que je fais autre chose, c'est ça, c'est pas j'ai pas besoin de watcher ça. Là j'ai mon argile. Là. Ben, ça va marcher, ça serait cool que ça marche. Ça. Je pense pas que ça va en faire énormément. Comme ça, je m'attends pas à voir la quantité de power hallucinante sortir de là, là. Déjà, si ça en fait, je vais être content. Hein. Puis éventuellement, on va grossir ça. Iron Clay. 2, 4. Cuivre, 3 fois. Oui! Connecteur, easy! Non! Si j'ai bien compris, il faudrait en mettre un sur ma dynamo. Ça, c'est sûr. Puis, il faut que j'en mette un sur mon capaciteur. Ah, c'est déjà beau, ça! Là, je prends un câble, je vais cliquer sur mon affaire. Je vais le mettre ici. Comme ça, ok, j'ai. Ça a-tu marché? Non, hein? Alors, pour le moment, il fonctionne pas du tout. Je vais essayer de cliquer avec le hammer pour changer la couleur du machin. Ok, là, il est bleu. Bleu, ça veut dire qu'il va accepter le courant. Bon, orange, il sort. Et il est coupé. Voilà. On met ça bleu.
j'accepte du courant qui vient d'autres patentes. Ça, c'est réglé. Mais en principe, il faudrait que j'aille cliquer avec ça. Puis après ça, avec ça, mais il place pas le fil. Peux-tu l'ajuster avec un clou à main? Pour la faire. Peut-être que je peux cliquer dessus avec ça. Ah, ça change de bord. Logiquement, c'est comme ça. Non, c'est pas que ça. Logiquement, c'est comme ça. Ok. Ah, c'est ça, ça arrête d'allure que ça soit le même. On la transfère pas. On voit pas de câble, y a pas de câble qui pop. Ok, j'ai trouvé pourquoi il marche pas. Ces câbles-là servent à rien. À part pour construire des bobines. Donc, on va construire une bobine. Un bâton. Ok, tu es tête, c'est pas grave. De toute façon, je peux en refaire plein de bois traité, ça, on s'en fout. À ce point-ci, ça marche jamais. Là, fait que tout ce que je veux, c'est le faire fonctionner. Puis. La titre d'azard, là. Alors, je prends ça. Je viens cliquer avec mon câble. Il y a un fil qui se promène. Bon. Ok. Alors, il y a un fil qui part de là à là. La kinétique dynamo a pas l'air de fonctionner. La roue, elle tourne. La dynamo est alignée avec la roue. Il ne se passe rien. Là, j'essaie, ça fonctionne pas. J'ai lu qu'il fallait placer la roue avant de placer le. Il fallait placer la dynamo avant de placer la roue. J'essaye de le faire depuis tout à l'heure, puis ça ne fonctionne pas, ça fait de l'eau partout. Je suis pas capable d'y aller. Ok, bon, j'ai réussi à me décoincer ça, là. Je vais utiliser le glass cutter pour essayer de récupérer la vitre. J'ai tellement de stock que je suis plus capable de me retrouver. C'est fou, là. Il est où mon glass cutter, là? Ah, il était ici. Ça permet de récupérer les bouts de vitre, ça. Sans être obligé de... Le problème, c'est comment je vais faire pour replacer ma roue là-dedans. Ce que je sais, c'est que je peux rentrer ici. Ça, j'ai vu ça. Donc après ça, je peux pas rien faire d'autre. Je vais essayer de pas retomber dedans. Ouais, c'est ça. Là, je trouve plus la roue. C'est rendu que j'écrive le nom de l'item à chaque fois. C'est hyper mélangé. Il y a trop de stock. Là, ça fonctionne pas, là. Là, faudrait que j'aille au pif là-dedans. Je peux trouver la kinétique dynamo là-dedans. Mais non, on peut pas. Ah, je suis vraiment poigné là. J'ai envie de me noyer. Là. Ah! Il n'y a plus d'eau! Wow! Ça,
Ça, je pense que je peux lever une main ici. Moi, je pense que oui, il n'y a pas de risque ici. Ici, ça va. Ouais. Je peux moins placer, je peux moins replacer mes water wheels, ça c'est sûr qu'on peut faire ça. Même pas les mettre. Ah peut-être parce qu'il y a encore des. Ah, il y a encore des rushs autour, c'est pour ça. Okay, fait que là, il reste un trou là-dedans pour travailler. Ok, ça c'est déjà bon. Que je fasse le coup pour grimper. Ouais, c'est tout démanché ce que j'ai mis. Là. Pas de vine mine parce que ça va casser la structure. Ouais. Ok. Donc là, est-ce que je peux placer une première water wheel ou pas? On va essayer. Okay, fait que ça fonctionne pas ce qu'ils nous disent de faire, non? Ça fonctionne pas pantoute. Ils disent de la placer sur la dynamo. Ah oui, j'allais là. Bon, okay, j'ai pu la placer. Bon. Est-ce que je peux placer une deuxième? C'est fucking comme structure. Ah, ok, j'allais, oui. Il va falloir que je me. Que je sorte de la structure ici. On a placé la troisième water wheel. Ok. Ok. Je vais s'en venir à vous, je pense. Ok, les trois roues sont placées. Je vais refermer la structure. Yeah! Bon! Ok. Ben, c'est ça, c'est pas pire. Moi, j'avais mis quelque chose en arrière pour passer. Tabarnane! Ok. Moi, je vais prendre ma chaudière. Je vais venir placer de l'eau. Parce que j'ai ça ici, là, pour placer de l'eau. Non, ça, c'est déjà pas pire, on a ça. Ok, ici, c'est quoi ça? Ok, ça, j'avais d'autres. Hein. Ok. Là, si je place une première boquette, ici, elle va la rue, elle va tourner. Elle commence à tourner, pas vite, elle va tourner. Ok. Mais ça devrait tourner assez pour générer un petit peu de power. Pas beaucoup, là, mais un petit peu. Bon, essayez, voilà. Normalement, si je place un connecteur sur mon dynamo. Ah! Enfin! Il s'est passé quelque chose! Bon! Aïe, aïe, ok. Ah, j'ai failli vein miner ça ici. Ah non, on prend pas de chance. Là. Tabarouette. On prend pas de chance avec ça, là. Mais ici, je pourrais. Ouais. Parce que oui. Même beau. Je pense que oui, là, mais je prendrai pas de chance. Dormir là-dedans, là. Ok, de la bébite là-dedans. Là. Là, après ça, je peux prendre mon capaciteur. Ouais. Venir le placer dans les environs. Pas trop loin, ça va tout perdre de power. Je vais placer mon deuxième connecteur dessus, j'en ai quatre. Ouais, plus que ça, un jour ou l'autre, si je peux continuer à ce mode-là. Là. Oui, c'est bon ça. Là, le connecteur est là. Là, je prends ma bobine de câble. Je vais venir placer un fil du windmill ici vers le capaciteur. Là, lui commence à accumuler. Ouh, bon, ok. Tac. C'est bon, là, je vais placer une torche pour barrer la. Ceux qui est pas de monstre là aussi.
Ok, c'est génial. Je peux tout enlever ça ici. Là-dedans, j'ai combien de buckets? Three stars, water. Ah, juste deux buckets, pas bien. J'ai mieux de venir avec mon briquet à la place. Ah, ouais, ça sera aussi bien. Ah oui! Elle tourne-tu comme il faut? Ah, d'arrêter, on a ralenti quand j'ai enlevé ça. Là. Ça a l'air de l'aider finalement. Là. Fait que j'ai une main finalement comme ça. Elle tourne mieux de même. Hein. Pas sûr dans la... De toute façon, on la verra pas cette roche-là, mais elle a l'air de mieux aller avec ça. Je sais plus pourquoi. Et voilà! Voilà, elle tourne au moins. On va refermer tout ça. Tout le visu. Tiens! Voilà! Ok, des bébêtes qui viennent ici. Je récupère mon affaire. Je vais utiliser ça pour descendre. Ah oui, elle tourne pas pire. Ça marche! Bon, mon capaciteur il accumule. Ouais, il est plein. Là, je serais même curieux de voir si je peux alimenter une machine avec ça. Ouais. C'est une fournaise Ender IO pour les tester. Ouais, on va essayer. On va l'essayer. Je vais mettre ça ici, là. Je vais prendre un autre connecteur. On va placer sur le chapeau de la fournaise. Lui, il faudrait peut-être le mettre sur le côté. Ouais, c'est bon, ça semble pouvoir être parti pour fonctionner. Je vais relier ça ici. Ici, je fais ça et ça. Non. Ah, t'as peur. Oui, je vois qu'il y a un bleu ici. Il y a du bleu là-dessus. Ah, il est rendu orange, ok. Yes, je l'ai, oui. Ah! Une fournaise qui marche à power passive. Ah, ça a tout pris pour faire ça. Tabarouette. Qu'en faire ça? Aïe aïe. Je l'ai là. Ah. Comme lui, c'est probablement pas le setup optimal. Mais il fonctionne un peu au moins. Pour l'améliorer vers la suite, au moins. Hein? Ouais, c'est ça. Mais au moins, il fonctionne. Il y a quelque chose. Water wheel qui font des RF. Ça ne sert à rien d'alimenter toute ma fournée. Ça sert à rien de faire ça. Fait que là, je peux faire des choses avec ça. Non, faire cuire du bois. Un charbon, je peux le faire là-dedans maintenant. Mais pour le moment, ça va se terminer comme ça. À la prochaine.